3. Tendu. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo d'actualité, puisque l'ouverture de la truite vient de passer ce week-end. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, nous, la vidéo arrive vendredi, petit teaser. Et aujourd'hui, vidéo d'actualité, je vous présente la Fisher Box du mois de mars. Fisher Box spécialisée ouverture truite et truite en, pêche de la truite en début de saison, notamment pour les débutants. C'est ce que j'ai voulu privilégier puisque c'est moi qui ai conçu cette box et c'est moi qui les produits, qui ai mis les produits qui sont dedans, qui les ai choisis. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Si vous voulez en commander, cette box est toujours disponible à la vente en direct sur le site. Je vous mettrai le lien en description et vous avez un code promo qui vous fera une réduction non négligeable sur vos commandes de la marque Fisher Box. Donc vous pouvez choisir votre box mensuelle. Tous les mois, une petite box dans votre boîte aux lettres avec des leurres que vous, avec le type de leurre que vous avez choisi, que ce soit Big Bait, Medium Light, Ultra Light ou Bear. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Allez, on va commencer par le petit bijou de la boîte, le Duo Ryuki 50S. Un leurre incontournable, un leurre que tout le monde connaît pour la pêche de la truite, un leurre qui prend du poisson dans toutes circonstances, qui passe partout. Donc en version coulante, le 50S, j'ai privilégié des leurres de petite taille pour que ce soit accessible à tout le monde et que vous puissiez utiliser un peu partout, que ça parle au plus grand nombre en fret. Donc un Duo Ryuki, comme je disais, 50S, qui permet notamment de pêcher dans les forts courants. C'est un leurre qui tient très bien les courants, qui permet de pêcher en eau calme, dans les fosses plus ou moins profondes, permet de pêcher les radiers en le mettant canot. On peut vraiment passer à peu près partout et c'est un super leurre à truc. Également, dedans, j'ai mis deux cuillères Panther Martin. Donc une cuillère numéro 2 et une cuillère numéro 4, ça fait des cuillères intéressantes pour pêcher la truite, notamment dans les torrents, dans les rivières, même en grande rivière, dans les zones assez rapides, etc. La cuillère, c'est un leurre qui passe moins vite que le courant. Donc ça permet notamment en début de saison de super bien déclencher des poissons qui ne soient pas très actifs et pas très réceptifs aux poissons nageurs. Des leurres indispensables à avoir, les cuillères dans sa boîte pour débuter, c'est extrêmement bien. Également dans la boîte, un nylon qui vous permettra soit de remplir un moulinet, soit d'utiliser en bas de ligne. Donc ceux qui veulent pêcher en nylon pourront l'utiliser. 16 ou 18 centièmes suivant les box. C'est pas un nylon que j'ai pu tester, mais on m'a dit qu'il était relativement bien. Donc on a mis un nylon dedans, de 150 mètres. Donc vous avez de quoi faire un paquet de bas de ligne ou de remplir plusieurs fois votre moulinet durant la saison ou même plusieurs saisons suivant votre utilisation. Ensuite, on a mis un autre poisson nageur qu'il fallait pour compléter la boîte. On s'est dit que ça pouvait être pas mal. Donc, on a pris le Sebi Spencher, le Spencher qui peut être vraiment intéressant, je pense, plutôt à utiliser dans les zones peu profondes, notamment les radiers. Il a l'air d'être assez intéressant pour ça. Les fins de poule peu profondes, les truites se placent au repos. Un leurre de petite taille qui permettra notamment dans les petites rivières ou quoi que ce soit de déclencher des poissons qui peut être super intéressant notamment pour débuter. Voilà, il y a ça et on a également pour compléter cette petite box des agrafes. Donc des agrafes avec émerillon. Donc des agrafes qui peuvent tourner. Très important d'avoir des agrafes comme ça quand on pêche à la cuillère. Puisque sinon, le nylon, quand vous pêchez en nylon, il a tendance à énormément se vriller et c'est infernal. Donc, des petites agrafes tournantes qui permettent d'éviter que le fil se vrille trop. Quand vous êtes en tresse, vous n'avez pas ce problème-là. Mais en nylon, c'est très très utile. Vous pouvez utiliser des agrafes ou non, si vous pêchez au poisson nageur. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il préfère. Mais vous avez des agrafes dans cette boîte. Voilà, on a fait le tour de cette petite boîte avec le petit autocollant The Fisher Box que vous pouvez coller là où vous voulez. Donc cette boîte, vous pouvez encore la commander, comme je disais, sur le site directement. Normalement, il en reste. Je vous mettrai un lien en description. N'hésitez pas
à le faire si ça vous intéresse et vous pouvez vous abonner pour tous les mois que vous souhaitez pour recevoir votre Fisherbox chez vous, comme je le disais en début de vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve vendredi pour la vidéo de notre ouverture truite qui était un peu particulière. Donc je vous laisse voir ça vendredi. Allez, ciao, ciao.